Un mécanicien indien de Jaipur, dans l'État indien du Rajasthan, a conçu dans le but de changer la perception de la société à l'égard des personnes invalides, une automobile spécialement adaptée pour eux. Grâce à ces ingénieuses théories, les personnes handicapées vont pouvoir enfin vivre leur rêve. Dans l'optique de changer la perception de la société envers les personnes moins valides, un mécanicien automobile indien de Jaipur, dans le nord-ouest de l'Inde, conçoit des voitures spécialement adaptées. En modifiant l'accélérateur, l'embrayage et les freins, il permet ainsi aux personnes handicapées de réaliser leur rêve de conduire. Les trois fonctions de conduite que l'on opère habituellement avec le pied peuvent être changées. J'ai conçu une voiture dans laquelle tous les contrôles se font à la main. Il n'y a plus aucune ville indienne où je n'ai pas conçu de voiture, hormis certains endroits beaucoup trop éloignés. J'ai dessiné 450 ou 500 de ces voitures. Les mécanismes de conduite sont transférés à la hauteur du volant par un système spécial de câbles. Les personnes handicapées disent que ces innovations leur permettent de conduire en toute confiance. 100% confidence देता है और इस ये innovation 100% मतलब एक तरीके से हम लोगों के लिए ऐसा हो गया। Ces innovations nous donnent une totale assurance et nous permet de conduire en toute confiance. Nous pouvons conduire avec des passagers et personne ne peut savoir si nous sommes handicapés ou pas. Nous conduisons dans les mêmes voies que les autres à une vitesse moyenne de 60 ou 70 km/h. तो इससे बड़ा तो क्या होगा 60 70 जो भी बीच की एवरेज चलती है उसी मेरी गाड़ी चलती है उसी लाइन में चलती है तो कहीं कोई आज तक इस तरह का मुझे तो लगा La passion de ce mécanicien pour la conduite l'a motivé à faire des adaptations dans la voiture de son père. Cette première expérience a été couronnée de succès et lui a donné l'idée de partager ses connaissances pour aider les personnes moins valides à mieux s'intégrer dans la société. Pour l'adaptation d'une voiture, il demande de 275 à 350 dollars.